5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Mes chers auditeurs, nous sommes ici dans le studio 42 de la base spatiale et la tension augmente à mesure que les secondes nous rapprochent de l'instant si délicat du départ. Attention, attention, allumage dans 15 secondes. Veuillez procéder à toute vérification d'usage. Attention à l'allumage. Attention, 10 secondes, 9 secondes avant l'allumage. Attention, personne sur l'aire de départ. Attention, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, allumage. Puissance moyenne augmentée doucement. Contrôlez bien vos feux verts. Augmentez la puissance. C'est une nouvelle technique qu'on expérimente aujourd'hui. Le carburant employé est tout à fait nouveau. Les éléments dont il est composé ont été gardés secrets. Il reste maintenant 9 minutes avant le rush. Puissance au sol à son point limite. Attention, n'augmentez plus. Faites procéder à l'évacuation de la tour. Du carburant à l'eau de mer. Cela semble être impossible, Brander. Si quelqu'un pouvait vous entendre. Heureusement, c'est impossible. Il pourrait croire que vous n'êtes pour rien dans la découverte de ce nouveau procédé. Oh, mon cher professeur, vous auriez de toute façon réussi mieux sans moi. Je travaille sur ce projet depuis plus de 10 ans et je dois reconnaître que je n'ai pas rencontré beaucoup de succès au cours de mes recherches. Il a fallu que vous m'aidiez pour que j'arrive à trouver. Une minute 10 secondes avant l'heure H. Cinquante secondes. Attention. Tenez-vous prêts.
plus que quelques secondes avant le grand départ. Nous allons voir en direct le départ de cette fusée solaire. Son énorme puissance va la conduire tout droit vers l'astre solaire et la ramènera sur Terre. C'est un grand événement, puisque c'est la première fois qu'une fusée est envoyée dans la direction du Soleil. Pourvu que cela marche. Nous allons le savoir très vite, maintenant. Le départ va lui être donné. Attention, fusée solaire, attention. Il reste 13 secondes. Nous allons commencer le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puissance maximum. Le départ est donné. Départ effectué en excellente condition. Tout se passe bien. Tout semble aller comme prévu. Tout devrait d'ailleurs bien se passer puisque le plus grand risque résidait dans la mise à feu. La fusée s'élève régulièrement selon la trajectoire calculée par les techniciens. Le succès ne pouvait arriver à un meilleur moment puisque nous ne sommes qu'à 2 jours de la grande conférence internationale d'astronautique qui se tiendra à Paris. Nous allons atteindre dans quelques minutes les portes de Paris, Milady. À quel endroit de la capitale faut-il conduire, Milady? Nous allons à Saint-Germain-des-Prés, Parker. Je dois rencontrer Monsieur Jeremy Hodge à minuit. Il semble qu'il ait eu quelques ennuis. Monsieur Jeremy Hodge, n'est-ce pas, Milady, ce grand savant qui a aidé à mettre sur pied notre sécurité internationale? Mais si, Parker. Il a aidé Brain à mettre au point les appareils qu'utilisent les fils de Jeff Tracy. Mais alors, dans ce cas, ce monsieur serait des nôtres. Mais oui, Parker. En effet, il est des nôtres. Ah, oh, Paris, au mois d'avril. Qu'y a-t-il qui soit plus romantique, mon cher? En effet, ma très chère amie. Comme c'est aimable à vous d'avoir répondu à mon appel. Je réponds toujours à l'appel de l'amitié, cher Jérémy. N'avez-vous pas soif? Que voulez-vous boire? À Paris, la boisson que je préfère, c'est le pastis. Bien. Un pastis pour madame et un whisky soda pour moi. Mais oui, monsieur. Voyons, mon cher, pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici? Pourquoi cette attitude mystérieuse? Pourquoi ce rendez-vous à une heure aussi tardive? Êtes-vous sûr que personne ne sait que vous êtes ici, Pénélope? Absolument. Excepté Parker, bien entendu, personne ne sait que je suis venue à Paris. Bon, ce que j'ai à vous dire doit être tenu secret. Vous connaissez mon ami, le professeur Borender. Votre collègue du laboratoire international de recherche. Oui. 2 jours après la conférence internationale d'astronautique, je l'ai conduit au train pour Underbad. Lorsque le train est arrivé à destination, Borender n'était pas dedans. Faites attention. Eh bien, Jérémy, je bois à votre bonne santé. Oh, Pénélope! Que Milady veuille bien me pardonner, mais le verre de Milady a été drogué. Oh, je suis vraiment désolé, madame, mais je vous affirme que je l'ignorais. Ce monsieur m'a demandé du feu et il a pu mettre quelque chose dans votre verre pendant que j'étais ébloui par la flamme. Tout cela me paraît fort ennuyeux, mon cher. Gaspiller ainsi un délicieux pastis. L'avez-vous retrouvé? Hélas, non, il a réussi à s'enfuir. Il nous a peut-être laissé un indice sur la table, Milady, regardez. Mais oui, il a laissé une pochette d'allumettes. Je ne vois pas du tout d'où elle peut venir. Et vous, Jérémy? Je ne sais pas non plus, mais nous pouvons consulter les archives héraldiques. Oui, nous irons dès demain matin. Mon cher Jérémy, voulez-vous me ramener à mon hôtel? Nous pourrons parler de tout cela en chemin. Tout d'abord, êtes-vous bien certain que le professeur Borender était dans ce train? Mais absolument.
Je l'ai conduit moi-même à son compartiment, mais le contrôleur affirme que je fais erreur. Il n'avait personne de ce nom, dit-il. Y avait-il une raison quelconque pour que le professeur Borender disparaisse de cette façon? Oui, une excellente raison. Ces dernières années, nous avons travaillé, lui et moi... cigarette? Nous avons travaillé sur un procédé propre à transformer l'eau de mer en carburant liquide. Mais on arrive à ce résultat seulement après des opérations délicates et à l'aide de certaines formules que seul le professeur et moi-même connaissons. Mal utilisé, ce procédé contaminerait toutes les mers du globe. Et les conséquences pour notre humanité seraient bien entendu les plus tragiques. Maintenant, cher ami, je comprends mieux vos précautions. Et ce n'est pas tout. Il y a plus grave. Vous êtes au courant du départ de la fusée solaire, je pense. Est-ce que par hasard, elle utiliserait le carburant dont vous parliez? Exactement, cher ami. Et à part le danger dont je vous ai parlé, cela risque de déséquilibrer la balance des puissances et de provoquer une guerre à l'échelle mondiale. La sécurité internationale a une très grosse dette envers vous. Nous sommes tous à votre service. Que faut-il que nous fassions? Il faut sans tarder retrouver le professeur Borender. Très bien. Il va falloir faire très vite. Ceux que nous combattons ne reculeront devant rien. Nous devons retrouver le professeur Borender, disparu après la conférence d'astronautique. Monsieur Jeremy Hodge et moi prendrons le train pour Underbad demain. Avez-vous besoin d'aide? Non, pas avant l'arrivée à Underbad. Nous comptons faire une petite enquête à bord du train. Nous agirons avec discrétion. Là, je vous fais confiance. Entendu, Pénélope. J'envoie Virgile sur le numéro 2. Il peut vous être utile. Il vous retrouvera à Underbad. Entendu, Jeff. Ce sera tout, merci. Entrez. Milady a-t-elle encore besoin de mes services ce soir? Avez-vous réservé nos places dans le train d'Underbad, Parker? Ah, mais oui, bien sûr, Milady. J'ai même réservé un compartiment salon pour Milady et pour Monsieur Jeremy Hodge. Merci, Parker. Bonne nuit, Milady. Oh, Parker? Oui, Milady? Merci pour le verre de pastis tout à l'heure, Parker. C'était bien visé. Je suis au service de Milady. Et voilà, Tintin. Encore une opération qui commence, vois-tu? Oh oui, et je suis certaine que les garçons regrettent tous de ne pas aller rejoindre Pénélope à Paris. Je les comprends, d'ailleurs. Oh, ils auront le temps d'y aller après leur mission. Pour l'instant, c'est à Underbad qu'il faut se rendre et sans perdre un instant. Partir, Virgile? Oui. En route, mes enfants. Et tenez-moi au courant, hein? We'll be right back.
Ah oui, très intéressant emblème héraldique, en effet, oui. Je crois que vous avez frappé à la bonne porte pour ce genre de renseignements. Vous allez descendre aux archives du sous-sol et vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est très bien. Par où faut-il passer? Descendez cet escalier, monsieur et madame, c'est en bas. Par où commençons-nous? Essayons donc par ce côté. Oh, Jérémy, venez voir, on dirait que ce livre a été touché récemment. Vous êtes sûr? En tout cas, il est tout propre, on l'a essuyé. Voilà peut-être notre chance. Nous touchons peut-être au but. Regardez ce dessin, c'est le même que celui de la pochette. En effet, tournez la page et nous verrons ce qu'il représente. J'ai l'impression que quelqu'un a déjà eu la même idée, mais ce quelqu'un est passé avant nous. Que se passe-t-il ? Nous aurait-on enfermés? Oui, on dirait. Écoutez. Mais, c'est du gaz, on dirait. Et pas une fenêtre dans cette pièce. Nous nous sommes bel et bien laissés prendre au piège, mon cher ami. Nous allons bien voir. Voulez-vous ouvrir tout de suite? C'est un ordre. Ouvrez ou j'appelle la police. Vous ne savez pas qui nous sommes. Ce doit être un faux bibliothécaire. Sans aucun doute. Ce doit être celui qui a tenté de m'empoisonner hier soir au café. Il a dû s'apercevoir qu'il avait oublié ses allumettes. Le gaz commence à remplir complètement ce petit réduit. Ne vous inquiétez pas, mon cher Jérémy. Parker est dehors. Il aura vite fait de nous sortir de ce mauvais pas. J'ai dit, ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Venez vite, Parker. Venez très vite. Vous m'entendez, Parker? Vous m'entendez? Fort bien, Milady. Attention à l'homme qui va sans doute quitter la maison. Il doit porter une veste de couleur verte. Je le vois, Milady. Il vient de sortir de la maison, Milady. Faut-il que je le suive? Il s'en va. Non, Parker. Il vaut mieux que vous veniez... Que vous veniez nous sortir de là le plus vite possible, Parker. Oh, j'ai l'impression que nous sommes pris au piège. Il était juste temps. Vous allez bien, Pénélope? Oui. Oh, Parker, je savais que vous viendriez nous chercher. Désolé d'avoir fait attendre, Milady. Notre prochaine étape doit être Underbad. En route, mon cher Jérémy. N'oubliez pas que nous avons un train à prendre. Vous m'avez déjà posé cette question et je me suis efforcé de vous répondre, monsieur. Je n'ai jamais vu de professeur Borander dans ce train. Je suis pourtant absolument certain qu'il est monté dans ce train. Je m'excuse, mais peut-être faites-vous erreur. Non, non, madame, j'en suis sûr. Excusez-moi, le service me demande. Je finirai par croire que j'ai rêvé tout ça, que c'est un effet de mon imagination. Non, Jérémy, ce garçon nous a caché quelque chose, j'en suis sûr. Eh bien, si nous allions prendre un verre, Jérémy, j'ai très soif. J'aimerais tout de même arriver à boire un pastis tranquillement. Vous venez? Je ne leur ai rien dit, docteur Godbert. Rien du tout. Comment savoir si tu dis bien la vérité? Vous devez me croire, docteur. Ces deux détectives amateurs vont regretter amèrement d'avoir mis les pieds dans ce train.
Deux fois, ils m'ont échappé dans Paris. Mais cette fois, j'ai tout préparé. Le fameux savant et la belle Pénélope ne pourront pas échapper au piège que je vais leur tendre. Nous approchons d'Anderbad. Lorsque vous y serez, vous irez vous poser au point GF4AE0. De là, vous devez avoir une vue totale sur le train d'Anderbad lorsqu'il sortira de son tunnel. Attention, ce tunnel est très long. En effet, et ces montagnes sont bien désertiques. Avez-vous des nouvelles de Pénélope ? Non, non, elle doit être assise devant un verre, je suppose. Lorsque nous retournerons à notre compartiment, j'appellerai à nouveau le garçon. Si vous voulez, mon cher. Mais pour l'instant, oubliez donc cette pénible affaire et buvez vite votre café. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Prenez garde, vous vous attaquez à des hommes résolus. Bonsoir, Parker. N'êtes-vous pas en retard? Non, non, Milady. Je serai au rendez-vous à l'heure exacte. Je viens de voir passer le train de Milady il y a à peine quelques minutes depuis la route nationale. Nous avons interrogé le garçon qui fait le service dans le train, mais il a trop peur pour nous révéler quoi que ce soit. D'ailleurs, il a disparu depuis un moment. Eh bien, je crois que je vais aller me coucher, Parker. Je souhaite le bonsoir à Milady. J'espère que Milady n'a besoin de rien d'autre. Ma foi, je devrais me passer de mon habituelle tasse de chocolat. Je me suis permis d'y penser avant le départ de Milady. Il y a un thermos plein du chocolat préféré de Milady dans le fond du carton à chapeau de Milady. Je vous remercie, Parker. Bonne nuit. Je remercie beaucoup, Milady. Il faut les prévenir. Il faut les prévenir. Faire arrêter le train. Il faut... faire arrêter le train. Arrêtez ce train. Vite. Vite, arrêtez. Attention, j'atterris à la verticale. Bien compris, Scott. Désolé de ne pas avoir préparé une meilleure réception pour ton tour.
Mais nous avons pour l'instant une opération en cours. Ça ne fait rien, tu sais, je comprends. Si je peux être utile, je peux repartir. Voilà, Scott. Tes frères se dirigent vers la ville d'Anderbad, et par trois moyens, les airs, le rail, la route. Nos forces doivent se rejoindre ici, à ce point très précis, sur l'autoroute 44, et c'est Parker qui conduit la voiture de Pénélope. Ce point correspond à la sortie du grand tunnel d'Anderbad, là où passe le train. Quand Virgile doit-il arriver au point donné? Eh bien, justement, j'attends un appel radio, il ne devrait plus tarder maintenant. Tout paraît être très bien organisé. Dommage que l'appel soit arrivé pendant que j'étais encore en vacances. Ne t'inquiète pas, Scott. Tu auras bien d'autres occasions de travailler, toi aussi. Oui, je t'écoute, Virgile. Que se passe-t-il? Tout marche selon le plan prévu. Nous serons à Anderbad une heure après le coucher du soleil. Nous irons prendre position sur la colline GF0. Parker m'a dit que Pénélope allait bien et qu'il serait à Anderbad avant l'arrivée du train. Il compte arriver peu de temps après nous et il m'a assuré qu'il irait chercher Pénélope à la gare. Très bien. Nous n'avons plus qu'à attendre. Il ne se passera sans doute rien avant que le train ne soit là. Qu'y a-t-il, Pénélope? Quelqu'un essayait d'écouter à ma porte. Venez avec moi sans faire de bruit. Ne réveillons pas les autres voyageurs. Puis-je vous être utile, madame, monsieur, à votre service? C'est que nous cherchions le garçon de service de notre wagon. Nous n'arrivons pas à le retrouver. Mais justement, c'est moi qui le remplace, madame. Je suis chargée du service dans le train pendant la seconde partie du voyage. Puis-je faire quelque chose? Oui. Dites-moi ce que vous faisiez auprès de mes valises. Je voulais voir, d'après les étiquettes, quel voyageur s'apprêtait à descendre du train à Anderbad. Mon collègue n'est si distrait qu'il est descendu en oubliant de me laisser la liste des voyageurs. Eh bien, madame, monsieur, si vous n'avez plus besoin de mes services, permettez-moi de me retirer et de vous souhaiter une bonne nuit. Je connais cette voix, je l'ai déjà entendue. Attendez. Parker, lui, la reconnaîtra sûrement sans peine. Gardez votre écran allumé un moment, Parker. Monsieur Hodge va appeler le nouveau garçon de service et il va lui parler.
Regardez-le bien et dites-moi si c'est celui qui est sorti de la maison des archives à Paris. Parfaitement, Milady. Monsieur, désire-t-il quelque chose? Oui, je voulais commander mon déjeuner pour demain matin. Je veux un jus d'orange et puis des œufs au jambon. Et du café très fort, avec du lait et beaucoup de sucre. Du pain grillé avec du beurre. Comptez sur moi, monsieur. Alors? C'est lui, Milady. Nous voilà à l'endroit convenu. Nous sommes juste sur le tunnel. Regardez, on voit très bien la sortie. Oui, nous n'avons plus qu'à attendre le train. Hé, hey, regardez, c'est Parker qui arrive. Nous approchons, ma chère. Nous devrions bientôt entrer dans le tunnel. Allô, Parker, vous entendez? Le train ne va pas tarder. Vous devriez aller à la gare. Jérémy. Le train s'est arrêté. En effet, chère madame. En effet, le train vient de s'arrêter. Maintenant, veuillez me suivre, je vous prie. Et vite. Que se passe-t-il? Le train n'arrive pas. Mais ne t'énerve donc pas, Alan. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre ici. Parker amènera Penelope aussitôt qu'elle arrivera. Ça doit être Parker. Le train va avoir un peu de retard. On vient de me le dire. Que se passe-t-il? Il y a une panne d'électricité, le train est dans le tunnel. Je n'aime pas beaucoup cette histoire, moi. Très bien, Parker. Essayez d'en apprendre davantage et faites-nous savoir ce qui se passe. Oui, j'écoute, Virgile. Du nouveau, le train où se trouve Penelope est en panne au milieu du tunnel d'Anderbad. Fais attention, Virgile. Je crois qu'il vaut mieux aller faire une reconnaissance. Bien compris. Mais Penelope ne peut-elle pas envoyer un message radio pour dire ce qui lui arrive? Non, Tintin, le tunnel d'Anderbad est sous la chaîne des Alpes. Aucune liaison radio ne pourrait être établie. Le train est sorti du tunnel, il est en gare d'Anderbad et Parker nous assure que Penelope et M. Hodge ne sont à bord ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas dans le train? Savez-vous où la panne a eu lieu exactement? Oui, la panne a eu lieu à quelques minutes de la sortie. Bon. Allez-y et tâchez de les trouver. Maintenant que nous sommes vos prisonniers, qu'allez-vous faire de nous? Eh bien, d'abord,
je vous souhaite la bienvenue dans mon quartier général souterrain. D'ici, nous contrôlons tout le trafic des trains qui empruntent le tunnel d'Underbad, n'est-ce pas merveilleux? Mon collègue n'a qu'un simple geste à faire et le plus rapide des trains transcontinentaux s'arrête au beau milieu du tunnel. C'est un jeu des plus amusants. Mais il ne faut pas en abuser si l'on veut que cela soit rentable. C'est de cette façon que vous avez enlevé Brander, hein? Très exactement. Quand j'ai compris que vous me soupçonniez, j'avoue avoir eu la tentation de vous jeter par une portière du train, comme je l'ai d'ailleurs fait pour ce stupide garçon de service cette nuit. Mais j'ai réfléchi et j'en ai conclu que vous me seriez plus utile vivant que mort. Professeur Borander, vous voilà donc enfin. Mon cher Jérémy, vous voilà. Comment avez-vous réussi à me trouver ici? Borander, qui est ce malfaiteur? Oh, pardonnez-moi, j'ai complètement oublié de me présenter à vous, monsieur. Je suis le docteur Godbert. Vous ne me connaissez certainement pas, mais moi je sais une quantité de choses sur vous, professeur, et je sais quelle découverte vous venez de faire avec le professeur Borander. Il a assisté à notre conférence internationale d'astronautique la semaine dernière. Il est au courant des travaux que nous avons effectués ensemble dernièrement. Oui, la conversion de l'eau des océans en carburant de grande puissance est une réussite technique d'une très grande portée. Et j'ai la ferme intention d'en apprendre de vous tous les secrets. Je vous assure que vous n'obtiendrez jamais le moindre renseignement sur ce sujet. Nous ne dirons rien. Je dois avouer que de vous, je n'ai encore rien obtenu du tout, professeur. Mais je suis certain qu'avec l'aide involontaire de la charmante Pénélope, j'arriverai sans difficulté à vous délier la langue à tous les deux. Regarde bien autour de nous. Ne t'inquiète pas, je garde les yeux ouverts. À quelle heure arrive l'express? Mais nous avons le temps, Virgile. Continue à rouler et nous verrons bien. Et je me demande ce qui a pu arriver à Pénélope et à Monsieur Hodge. On les trouvera. Ils ne peuvent pas être loin. Et maintenant, messieurs, j'aimerais que nous passions aux choses sérieuses. Je serais très heureux que vous me donniez sans vous faire prier les détails sur votre procédé de conversion de l'eau. Jamais. D'ailleurs, même si nous vous le disions, que feriez-vous de ce secret? Oh, pour ça, je ne serais pas embarrassé. Ce procédé ferait de moi l'homme le plus riche qui soit au monde. Eh bien, nous allons commencer. Descends l'échelle, Roach. Vous n'êtes que des assassins, des barbares. Et voilà. Nous n'avons plus qu'à attendre patiemment que l'express entre dans notre tunnel. Il devrait en principe, s'il n'est pas en retard, être là dans une dizaine de minutes. Tiens, regarde, en voilà un autre. Oui, ces tunnels de ventilation semblent bien nombreux. Veux-tu que nous allions en voir un de près? Non, non, continuons. Écoutez, Godbert, même si nous vous donnons la formule, vous ne pouvez pas l'appliquer sans l'aide du matériel spécialisé. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de cela un peu plus tard. D'ailleurs, nos expériences en sont encore à un stade préliminaire. Nous l'avons nettement dit lors de la conférence. La moindre erreur d'interprétation risque de polluer les mers du globe. Ce qui entraînerait un désastre sans précédent pour notre humanité. Vous nous demandez beaucoup trop, Godbert. Oh, ça suffit. Dans combien de temps le train doit-il entrer dans le tunnel? Qu'est-ce qu'il voulait dire par polluer toutes les mers du globe, docteur? Réponds à ma question. Il sera là dans 6 minutes, docteur. Allô, la base? Aucune nouvelle de Virgile ni de Gordon. C'est le silence. Allons, sois patient, Alan. Écoute, j'ai une idée. Je vais aller faire un tour dans le tunnel et j'essaierai de les joindre. Non, Alan. Reste où tu es, veux-tu? Vous êtes assez dispersés comme ça. Dis donc, si j'allais les rejoindre, moi aussi, je serais là-bas en 2 heures. Je sais, Scott. Mais le train, lui, n'attend pas et sera dans le tunnel dans 2 minutes. Le train express est maintenant tout près du tunnel, docteur. Voilà, ça y est, docteur. Il vient juste d'y entrer.
Écoutez, Godbert, vous devez arrêter ce train. Coupez le contact et je vous donne la formule. Je vous promets de le faire, professeur. Mais à condition que vous me donniez la formule avant. Seulement, je vous conseille de faire très vite, professeur. Arrête le moteur. Est-ce que tu entends aussi ce bruit? Ça doit être l'express. L'écho porte le bruit jusqu'à nous. Est-ce qu'on est encore loin? Non, la panne a eu lieu près d'ici. On devrait les trouver. Ah, je me demande bien où est ce train. Je me demande où peut être maintenant ce train express. Bon, ne restons pas là, allons voir plus loin. Le train serait ici dans 4 minutes. Je vais éteindre toutes les lumières pour que personne ne puisse nous voir depuis le train. Bien sûr, la pauvre Pénélope va être heurtée violemment. Mais c'est vous qui l'aurez voulu et il est de toute façon trop tard. Le train arrive. Pour la dernière fois, Godbert, voulez-vous entendre raison? Cette formule de conversion ne vous servirait à rien. Sortez cette pauvre fille de là et nous vous montrerons nos travaux en entier. 2 minutes, docteur. Sauvez cette jeune femme, je vous en prie. Non, professeur, c'est trop tard. Mon plan n'a pas réussi. La mort de la jolie Pénélope sera pour moi un dédommagement. Watch, arrêtez le train! Arrêtez-le, vite! Tout est perdu! Personne ne pourra plus arrêter le train à temps! Borander, sortez! Sortez et venez jusqu'à moi, vite! Dépêchez-vous! Écoutez-moi! Je vous accorde 10 secondes pour vous débarrasser de vos armes et pour sortir les mains sur la tête. Cinq secondes. Jetez vos armes ou le professeur sera poussé devant le train. 4, 3, 2, vite, il arrive. Toujours rien en vue. L'express est déjà entré en gare. Cela va faire 20 minutes. Je ne comprends pas. Je me demande ce qui a pu se passer. Accordons-leur 5 minutes et ensuite... Attends! J'ai parlé trop vite, ils sont là. Je les vois tous. L'opération a réussi, c'est un succès total. Thank you.
Quelle soirée! C'est la première nuit que je passe à Paris et j'ai droit à la sérénade d'un violoniste tzigane. C'est une très jolie musique, Alan. Buvez votre soda. Non, merci, je n'ai pas soif. À peine débarqué à Paris, mes frères sont allés tout droit aux Folies Bergères. Mais pourquoi pas moi? Parce que vous êtes encore trop jeune. Allons, voyons, Alan. Parker doit nous conduire tout à l'heure dans un cabaret célèbre. Bah, quelle joie! Je suis ravi de passer une soirée avec Parker. J'espère au moins qu'il saura m'apprendre à danser la Java. Ah, voilà Parker qui arrive. Oh, qu'elle est belle. Regardez, Alan, cette jolie fille. Hmm? Tintin! Mais que fais-tu ici? Votre père a décidé qu'elle avait besoin de vacances. Alors me voilà. Mesdames, il faut partir ou nous manquerons le spectacle. Eh bien, Pénélope, ma chère, vous n'avez pas bu votre pastis? C'est vrai, mon cher. Mais vous savez, la dernière fois que j'ai voulu en boire un à ce même endroit, le verre m'a éclaté dans les doigts. Quand j'ai voulu le porter à mes lèvres, je deviens méfiante. On ne sait jamais. Buvez toujours, vous verrez ce qui se passera. Regarde, Tintin. Magnifique, hein? Ah, oui, c'est beau. Merveilleux, Pénélope. Regardez celle-là. Jolie, non? Oh, et celle-là. Regardez. Oh. Magnifique, hein?